Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Allez, on est parti malgré le temps pourri que j'ai et le manque de luminosité, c'est incroyable ce temps. Eh bien, on va pas se laisser abattre, c'est parti. Je vais pas commencer par le grand jeu Mademoiselle Lenormand, je vais commencer par un autre jeu qui est l'oracle Potion d'amour. Voilà, domaine sentimental, mais aussi l'amour pour toi-même. Hein. Voilà. Ça, c'est pour les petites sorcières, les petites et les grandes sorcières. Hop. Il est question de douceur, de guérison et de générosité aujourd'hui, tu vois, avec le miel. Alors, on y va. Ça, c'est toi. Ça. C'est quelqu'un qui tu penses, envoûtement, obsession, emprise, confusion. Regarde comme elles sont magnifiques ces cartes, elles sont belles. Hein, c'est-à-dire qu'ici, là, si tu penses à une personne, bah, cette personne, elle est sous emprise, elle peut être sous emprise d'une autre personne. Elle peut être dans la confusion ou justement être dans une certaine obsession par rapport à tel ou tel sujet. Donc tu peux aussi le ramener dans le domaine professionnel. Hein, voilà, tu peux te créer ta guidance là. Donc écoute de quoi ça te parle là, ce que tu as sous les yeux et ce que je suis en train de te dire. Et remets-le en fonction du domaine qui t'intéresse ou de la question qui t'intéresse. Voilà, comme ça on fait la guidance ensemble, on la co-crée ensemble. Je prendrai le Normand après. On va voir de quoi il nous parle. Ici, il rejoint justement l'oracle de la potion d'amour. Moi, j'aime bien les potions. Alors ici, on a un serpent. Le serpent, c'est l'énergie vitale, hein, la kundalini, énergie sexuelle aussi. C'est pour ça qu'il y a écrit en dessous « libido ». Tentation, vigilance. Donc ici, on nous parle d'une relation avec une personne qui n'est pas si simple que ça, quel que soit le domaine. La carte qui est au centre te représente toi, la carte qui est à gauche, il s'agit de l'état d'esprit de la personne à qui tu penses. Et à droite, on voit un petit peu l'issue de cette histoire, l'issue de cette relation. Encore une fois, que la relation soit professionnelle, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit amoureuse. Hein. Ici, on a vraiment... Oui, il est question là de vigilance dans cette relation-là. Pas parce que la personne avec qui tu es est néfaste ou toxique, mais parce que justement... elle est, il y a un entourage toxique ou abusif autour. Toi, on te dit de te centrer, sur toi, de t'occuper de toi, de te faire du bien à toi, et non d'être tourné vers cette personne. Le serpent aussi me parlerait, par exemple, dans une relation amoureuse, attention à l'énergie sexuelle, dans le sens où quand tu as un rapport avec une autre personne, il faut savoir qu'il y a, il y a un échange d'énergie et que c'est l'énergie de l'autre reste en toi pendant un bon petit moment, hein. Des fois c'est même plusieurs mois. Donc ça me parle de ça aussi également. Je coupe et j'ai vraiment là une personne au centre qui est vraiment dans le bien-être pour elle. Hein. Il y a vraiment cette notion de bien-être, de se faire du bien, d'hédonisme ici. Voilà. Et peut-être de se lâcher la grappe aussi, comme on est une grappe de raisin, de se lâcher la grappe. De vraiment, voilà, des fois, tu es peut-être trop exigeante ou exigeant.
était peut-être aussi trop sérieuse. Il est question aussi de redevenir un peu comme un enfant, de ne pas se prendre au sérieux. Tu peux très bien être sérieuse, mais sans te prendre au sérieux aussi. De quoi ça va continuer de nous parler? Ouais, il y a une notion d'incompréhension quelque part avec une autre personne. Hein. Le chat, c'est aussi la spiritualité. Hein. C'est celui aussi qui voit qui a les pattes dans le monde invisible et dans le monde visible. Il voit les deux. Il est indépendant aussi. Il y a cette notion de retrouver son pouvoir personnel ici. Hein, si tu penses à quelqu'un. C'est marrant parce qu'on parlait d'emprise ici, de confusion, d'obsession. Là, on parle vraiment justement d'indépendance, de retrouver son pouvoir personnel. Il y a une incompréhension, il se passe quelque chose là. Allez, dernière carte après change de jeu. Ah, il est question de renouveau, d'espoir avec le printemps qui arrive, tu vois, ça c'est l'issue de la guidance, les deux cartes là. Fertilité, renouveau, espoir, mais le serpent c'est aussi la montée de la sève, hein. La sève va remonter, l'énergie va monter, la nature va renaître et toi aussi tu vas renaître aussi au printemps. Il y a quelque chose d'intéressant au printemps. Fertilité, renouveau, espoir. Ça peut nous parler aussi pour les sacrés féminins qui souhaitent un bébé. Aussi, également. Peut-être que ça ne se faisait pas et que ça va pouvoir se faire au printemps. On a l'espoir aussi. Espoir aussi d'une nouvelle relation également. Espoir de nouveaux projets. Hein. Un nouveau bébé, ça peut être aussi une entreprise, un projet créatif aussi. Voilà. Également. Mais là, la personne à qui tu penses, elle a besoin de se délester d'un entourage toxique. Alors peut-être, admettons, tu es en association avec quelqu'un, bon, on te dit où c'est un peu compliqué pour la personne, quel que soit le domaine, on te dit de t'occuper de toi et de te faire vraiment du bien. Ça c'est important de revenir vers soi, de se faire du bien. Bon, il ne s'agit pas de devenir alcoolique là non plus, hein. Avec le printemps qui arrive en fait, mais le printemps je dirais qu'il est déjà là si tu regardes les bourgeons. Alors là, bon, il fait très froid, je me demande s'ils vont tenir le coup, mais j'ai vu certaines plantes qui très clairement qui commençaient à sortir, à pointer le bout de leur nez là. Tu verras qu'il y a un papillon également. Le papillon c'est le changement. Hein? Allez, c'était plutôt chouette ce jeu. J'avais envie de te le présenter. Allons-y. De quoi nous parle le Normand? De quoi il nous parle? Hop, bah, deux d'un coup. Allez, un, deux. Déjà, c'est bien. Là, j'ai un sacré féminin, franchement, qui s'occupe d'elle, qui commence à prendre sérieusement conscience de sa valeur. Et moi, j'y sais bien. Il y a de la douceur, c'est revenu. Chouette. Et ben voilà, on parle beaucoup du sacré féminin aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis contente. Voilà. Donc, on a notre grand singe, notre cénophale, qui a un bâton, on peut penser au bâton de pèlerin, il est en train de tracer des signes au sol, des symboles au sol. Il y a toute cette connaissance intérieure qu'il a. Et sacré féminin, c'est marrant parce que j'étais très orientée vers mon oracle des potions magiques, ça me fait penser à toutes ces jolies sorcières, donc ces guérisseuses, ces voyantes, ces artistes aussi, ces magnétiseuses. Encore, il y en a encore beaucoup, beaucoup. Toutes ces sorcières sous différentes formes qui ont une connaissance qui date de vie antérieure. Et en fait, cette connaissance, elle remonte. Les mémoires, elles reviennent, elles remontent et on te demande de l'utiliser, de les utiliser. Fais-toi confiance, utilise. Il y a une puissance du sacré féminin ici. Et du coup, cette puissance, elle pousse aussi chez ces messieurs. Hein? Yann, le sacré féminin, vraiment pousse aussi chez ces messieurs.
et chez ces et chez mesdames aussi, puisqu'on a beaucoup de femmes qui de par cette société patriarcale ont beaucoup, alors je suis pas féministe, hein, ont beaucoup basculé dans l'énergie yang masculine justement pour pouvoir faire face et faire leur place dans ce monde. Donc là, on a vraiment l'énergie féminine qui prend toute sa place, et à tel point qu'on a voilà, la carte de la femme qui sort aujourd'hui dans le jeu. Et il est question, je vais regarder les petits sujets qui sont tournés vers elle, et il est vraiment question ici d'utiliser ton plein potentiel. Il y a une reconnaissance, une reconnaissance du féminin, une reconnaissance de ta valeur. Le féminin prend sa place ici, mais avec douceur et avec bienveillance, là. Hein? Nastré dans le ciel, Jupiter lui montre la place qu'elle doit prendre. On verra qu'il y a un aigle, là. Il y a une puissance sur les événements qui est forte, il y a beaucoup de spiritualité. C'est le moment. C'est le moment de prendre sa place, très clairement, vraiment. En plus, il y a une figure géomantique que j'aime. Fortuna Major. Fortuna Major, c'est la grande fortune ici, sous le F, tu vois. Et c'est une figure qui est très favorable. Elle nous parle de bonheur, elle nous parle d'amour, elle nous parle d'abondance. Elle nous parle de réussite, elle symbolise ça, tout ça. Hein? La grande fortune. Et on est sur une évolution d'une année. Une année, on peut aller jusqu'en Vierge ici, c'est le signe de la Vierge. Hein, donc entre maintenant, alors Fortuna Majeure c'était le mois de janvier, donc entre janvier dernier et janvier prochain. Mais il y a quelque chose de très intéressant ici qui arrive. Il y a une belle réussite, on dit au féminin de prendre sa place avec notre dame de cœur. Elle nous parle aussi, donc c'est la douceur, les qualités, les intentions pures, hein, la dame de cœur. Ici il y a une notion de sagesse qu'on retrouve ici, mais on la retrouve aussi avec notre cénophale, la sagesse, hein? Ici on a un esprit brillant, intelligent ici, enfin, vraiment là, une vivacité d'esprit, et ici on a la sagesse on la retrouve là aussi également. Et dans le domaine sentimental, il sera question de fidélité, de douceur, vraiment d'harmonie dans la vie sentimentale. Il y a quelque chose qui a basculé ici, de franchise aussi. Et vraiment, si tu as passé une période difficile dans ta relation, eh bien, on te dit que les risques de conflit sont derrière. Hein, et c'est place à l'harmonie, au bonheur, à la joie. Et il y a une présence féminine aussi qui est dans cette guidance-là avec la dame de cœur et qui apporte beaucoup son soutien, sa belle présence aussi au sacré féminin. Il est question d'inspiration, d'intelligence avec la lettre E. L'intelligence est vraiment mise en avant. Il y a aussi l'intelligence émotionnelle, hein, avec les qualités de cœur ici également. Notion d'adaptation aussi également. Et dans le domaine professionnel, ben, ce sont toutes les activités qui ont un lien avec la beauté, avec l'esthétique, avec l'art. Je parlais des artistes tout à l'heure parce que il y avait, je trouvais que les artistes étaient très présents dans cette guidance aujourd'hui. Et il y a vraiment une situation qui devient agréable. Il y a un climat qui est doux, qui est détendu, qui est relaxant ici. Et on parlait du printemps tout à l'heure. Et d'ailleurs, là, si on regarde au centre, vraiment, là, eh bien, la prairie, là, les arbres ont leurs feuilles, il fait bon, on n'est pas en hiver, hein, ni en automne ici. Hein. Donc, il peut y avoir une notion de passivité aussi, je crois qu'on a déjà eu avec l'hédonisme dans l'autre oracle. Et ça fait du bien. Donc on invite vraiment le sacré féminin à prendre soin d'elle, à profiter des bons moments. Et très clairement, il y a des belles choses qui arrivent, hein, c'est tout ce que je peux te dire. Il y a une réussite dans la voie professionnelle qui sera choisie. Et il y a une belle entente au niveau sentimental, une belle stabilité, sécurité affective et professionnelle. Et tout sera amélioré. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Merci à toi.